Salut à tous. Pas besoin de perdre des heures à chercher les meilleures vidéos en ligne pour te divertir. Notre sélection du jour est remplie de bonnes ondes. C'est parti. Il voulait voir un avion décoller de près et sentir la puissance des moteurs. Je doute cependant que cela ait été aussi excitant pour eux qu'ils l'espéraient. Même la plateforme la plus fiable ne résiste pas aux tempêtes de la mer du Nord. Un test rapide et efficace pour les lignes électriques qui ne prend qu'une seconde. Pour les amateurs d'avions, c'est la routine. Mais pour d'autres, c'est un spectacle grandiose. Ce type est manifestement en état de choc, car personne n'a jamais brisé une carapace devant lui auparavant. Une piscine au sommet d'un gratte-ciel, c'est magnifique, mais seulement vu d'en haut. Certaines parties de la mer Méditerranée sont si claires qu'on a l'impression que les yachts flottent dans l'air plutôt que de naviguer sur l'eau. Ce petit être est presque aussi adorable que les chiots ou les chatons. Écoute ses ronronnements. Si tu pensais qu'il y avait une belle perle à l'intérieur, tu ne pourrais pas te tromper davantage.
C'est ce que j'appelle une manière douce de se sortir d'une situation. On dirait que les services de la ville ont décidé d'économiser de l'argent et ont engagé ce type pour nettoyer les rues. Hey. Hey. Shh. Stop flirting. Stop flirting. Une méthode peu conventionnelle d'abattage des forêts consiste à utiliser une énorme chaîne. Et croyez-le ou non, ça marche vraiment. Le remplissage des réservoirs en vol est une tâche complexe. Les pilotes doivent effectuer une manœuvre très précise pour raccorder les tuyaux tout en maintenant l'avion au même niveau. Quand tu es prêt à passer des heures à la salle de sport, mais que tu n'as pas l'énergie nécessaire pour laver ton chien après une promenade. Ce ne sont pas des images de synthèse tirées d'un jeu vidéo, mais les yeux d'une baleine grise. Regarde, il y a tout un univers sous-marin dans ce regard. Environ 6% de la population mondiale souffre d'arachnophobie. Mais après avoir visionné cette vidéo, ce chiffre augmentera probablement de 50%. On dirait qu'ils ont un plan. J'espère qu'ils n'essayent pas de refaire la même chose. Eh bien, on dirait que c'est la première personne à conduire dans une ruche. Ce qui te rend cool, ce n'est pas ce que tu bois, mais la façon dont tu le bois. Les services d'une nounou sont trop chers pour toi? En Thaïlande, tu peux en avoir une pour le prix de quelques bananes.
les chats savent que le pêcheur apporte des prises fraîches dans son bateau. Il suffit de voir comment ils ont prévu de prendre chacun leur part. Quand on décide d'économiser de l'argent sur l'entretien de sa voiture et de faire la vidange soi-même. Un feu d'artifice peut être magnifique même s'il n'explose pas. Une cascade d'éclairs est également magique. Ce qui ressemble à une énorme fissure dans le mur s'avère être tout autre chose. En y regardant de plus près, on se rend compte qu'il s'agit d'une œuvre d'art composée de milliers de personnages miniatures. Les téléspectateurs peuvent parfois repérer les effets de l'écran vert. C'est pourquoi de nombreuses entreprises choisissent des sites qui existent vraiment. C'est un défi, mais les résultats sont incroyables. Voici à quoi ressemble l'ultime tricheur à la pêche. Pas besoin de bosser dans une mine pour apprécier cette incroyable vidéo d'explosion. Un petit court-circuit sur un poteau électrique peut donner lieu à une intense flamme de deux couleurs différentes. Voilà pourquoi il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir de la nature. Ce gars a hâte qu'il commence à faire des cascades avec des chariots élévateurs, comme dans Fast and Furious. Imagine le pouvoir de ce brise-glace. Il écrase les morceaux de glace comme s'il s'agissait de vulgaires chips. Quelle que soit la façon dont tu écoutes de la musique dans ta voiture, ce type a une meilleure idée que la tienne. Surprise! Ce qui n'était qu'une simple promenade s'est transformé en safari.
Chaque jour, ses collègues peuvent assister gratuitement à un spectacle de cascade de pelleteuses. Je suis sûr que cette bibliothèque de Mexico City possède tous les livres dont tu peux avoir envie. Ah. Seule une personne qui n'a pas le vertige, que ce soit à cause de la forte odeur ou de la hauteur, peut travailler comme cueilleur de durian. Après avoir nourri cet oiseau une seule fois, il a commencé à se présenter à la fenêtre, comme s'il s'agissait d'un comptoir de vente à emporter. If you ain't giving your pet alligator a bath on Saturday afternoon, you better f*** that. Ça a dû être une sacrée fête. Le test le plus simple, mais le plus convaincant de la stabilité des chemins de fer chinois. La nature est la plus grande des artistes. Il suffit de regarder les impressionnants courants qu'elle a créés sur la rivière Qiantang en Chine. Après la pluie, beaucoup d'eau s'est infiltrée sous cette partie de la pelouse, ce qui a créé un nouveau monticule. Tu as peut-être vu quelque chose de similaire dans un film de Miyazaki. Ils ont découvert par hasard le lieu de prédilection des ours, qui se trouve être l'endroit où l'usine de transformation du poisson rejette ses déchets. À première vue, on dirait une table ordinaire. Mais attends un petit peu, t'as pas l'impression que ça descend jusqu'au cœur de la Terre? Mais si tu regardes bien, tu remarqueras la ligne où est placé un miroir. C'est une illusion d'optique tout à fait unique. La façon dont les personnes souffrant d'arachnophobie voient une araignée par rapport à ce à quoi elle ressemble réellement. Envie d'une poussée d'adrénaline? Voici une idée. Dis-nous en commentaire si tu serais partant pour essayer ça.
Le volcan le plus actif d'Europe, l'Etna, est le seul à pouvoir produire une fontaine de lave aussi spectaculaire. Voici comment les personnages principaux des histoires fantastiques découvrent leur super pouvoir. Le fait de voir une telle chose à l'extérieur peut te remonter le moral pour plusieurs jours. Il va prendre une douche. Puis ensuite, il ira cuisiner dans un restaurant français. Si tu t'es déjà demandé ce qui se passe quand tu pointes un laser sur une tasse ou une boîte de conserve, ce type sera ravi de te le montrer. Parfois, il accepte même des demandes spéciales, comme celle-ci. La question est de savoir comment il décide dans quelle direction ramper. Imagine que tu te promènes et que tu entres soudain dans le quartier des abeilles. Кто ты такой? Какой ты породы, чуешь? Первый раз. Cet oiseau veut se battre contre ces girafes pour le titre du plus long cou. Ох, ты двики, не втекаешь даже, не боишься. Le plus surprenant ici, c'est pas l'ours qui se promène dans la rue ou le gars qui s'enfuit en courant. C'est à quel point cet homme est calme, un petit peu comme s'il avait l'habitude de voir ce genre de choses tous les jours. Une vidéo pour ceux qui prévoyaient de s'installer en Italie. Ça fait peur de penser à ce que les résidents ont dû ressentir en regardant ce qui se passait. Maman est pericolante. Regardez que roba. Thank you.
Ils ont d'abord cru qu'un météore tombait sur la Terre. Ils étaient loin de se douter qu'il s'agissait simplement de la Lune qui faisait une entrée fracassante dans le ciel nocturne. Ce petit détail qui explique ces moments gênants lors de réunions importantes, quand on oublie de désactiver la vibration sur son téléphone, qui est à l'origine de cette situation. La dernière chose que l'on souhaite, c'est de manquer une marche dans un escalier pareil. Avec une telle quantité de glace sèche, il n'est même pas nécessaire de se préoccuper des décorations pour Halloween. Lorsque l'on voyage au Tibet, il faut être prêt à faire face à des conditions météorologiques imprévisibles. Par exemple, durant cette période, les glissements de terrain étaient si fréquents qu'ils ont bloqué plusieurs centaines de routes. Grâce au vent, tous les habitants de la région ont reçu une piscine gonflable gratuite. Celui-ci vit dans un univers où la peur n'a pas encore été inventée. Cette vidéo contient plus d'action que certains films. Il ne s'agit pas d'une scène du film La Momie, mais d'images réelles de Chine, où une violente tempête de sable s'est produite.